Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez super bien. Moi, ça va. J'espère que vous portez comme un sucre et que tout va bien dans votre vie. Alors, je viens pour une story time. Je n'en ai pas fait ici depuis longtemps. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais il y avait une bonne humidité. Je me suis dit pourquoi pas dans le jalo filer. Je vais raconter mon histoire. Vu que la Saint-Valentin est approche, donc je vais vous raconter mon aventure avec le mec à autrui. Je respecte. Ne me jugez pas, attendez de voir l'histoire. Sans toutefois tarder, je vais mettre le générique et je vais lancer l'histoire. Alors, cette histoire reste une défaut il y a des années. Donc je suis sur Facebook à l'époque où j'étais encore sur Facebook parce que là je n'utilise plus vraiment ce réseau. J'étais sur Facebook, il y a un gars qui me crée, commence à discuter tranquille. Après il me dit ouais tu fréquentes où, je lui dis où je fréquente, il me dit oui je fréquente. Il me dit que ah on peut se voir puis qu'on est dans la même ville. Je lui dis sans problème, tranquille moi, ça me dérange pas. Il me dit donc est-ce que je peux passer chez lui? Moi, à l'époque, j'étais vraiment super naïve et tout, donc ça me dérangeait pas plus que ça. J'ai dit, ok, pas de problème. Et moi, alors, tellement, la personne m'a dit que vous avez fait quoi chez vous. Quand on dit que vous avez fait quoi chez vous, c'est en mode, vous avez préparé quoi, vous avez cuisiné quoi, vous avez fait quoi manger chez vous. J'ai dit, on a fait le coq, c'était un samedi. Samedi à la maison, c'est vraiment un spécial légume. J'ai dit, on a fait le coq, c'est un mets de feuilles, qu'on mélange avec arachide et jus de palme. Il me dit donc, ah j'aime trop le coq, apporte le coq, je mets donc dans la galette de ma mère. Maman. Donc j'en parle tout ça et je vais donc retrouver monsieur le crush. J'arrive, il avait un appartement là, près de son école. Il me dit bonjour, comment tu vas? Je dis je vais bien et tout. Moi je m'en sors aussi le petit canapé, vraiment je ne veux pas le proco et tout ça. Nous allons dans le camp de Némi. Non, sur le petit fauteuil. Je suis assis sur le petit fauteuil et il s'assit sur le canapé à côté de moi. Je lui ai donné le coq que je suis venu avec. Il est parti garder dans sa cuisine. Et là, il a lancé un film. Il se couche sur le canapé à côté de moi. Il est d'abord couché de l'autre côté. Et il est venu s'accouder où j'étais accoudé. J'arrive là, qu'il y ait une petite tension là, une tension électrique et tout. Mais j'étais en mode non. Non, il a dû lui finir par là. Et moi, je suis quelqu'un. Si tu m'as rien dit, c'est que c'est ça. Voilà, si tu ne m'as rien dit, même si je sais, je ne sais rien. Donc je suis assis, je regarde l'animé et tout, pas que c'est un animé. À un moment, je vois qu'il reçoit un appel. Il dit ok. Ah d'accord, je suis seul. Hey, attendez un peu, attention. Oui, je suis seul comment? Je suis avec toi, non? Il dit qu'il est seul. Après, je vois dans ce moment qu'il fait une manipulation avec son téléphone. Après, quelqu'un sonne. Je dis, ok, on attend quelqu'un. Il a dit qu'il était seul seulement. Il peut ouvrir. Je vois notre garçon qui entre. Eh oui! Mon cœur panique, ça fait boum. Il dit, mais comme les choses qui arrivent sont aux autres. On est à deux garçons, une fille. Pourquoi? Et moi, je te vois une super pleureuse. Deux garçons, une fille. Pourquoi? Mince. Il dit quand même que nous restons tranquilles. Sois digne. Sois digne. Coco, une femme. Sois digne. Ah. Alors, Coco, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Le gars s'assoit, il fait des présentations. Muriel, Antoine, Muriel. Le gars s'assoit à milieu de moi. Alors. On commence alors à regarder l'anime. Curieusement, ce qu'on propose là, moi ça m'intéresse. L'anime là commence à m'intéresser. C'était SNK, Attaque des Titans. Donc ça commence à m'intéresser et tout. Moi je suis vraiment concentré dans l'univers de Eren, Armin, Mikasa, tout ça. La première saison. Donc imaginez un peu combien ça date. Si vous voyez, donc SNK venait de sortir. Maintenant, quelqu'un sonne. On part ouvrir, je vois une fille qui entre. La fille entre en mode, c'est son territoire et tout.
Mais moi, j'étais posée dans mon coin. Hein. Je ne dérangeais personne. La fille entre, mais vous connaissez les comportements des filles et tout. Quand elle est peut-être dans la voiture avec son gars, elle dit que voilà, c'est sa chose, vous voyez. La fille entre, elle vient près du gars et tout. Elle lui fait un câlin. Bref, on connaît les choses, là. Vous connaissez un peu le genre de c'est mon gars, tu vois. Et moi, j'ai eu, comment dire, je ne sais pas si vous connaissez la sensation là. Tu es paralysée. Tu fais comme si tu veux faire pipi, ça pique, il fait chaud et tout. Parce que je me suis rendu compte en fait, c'est la go du gars en fait. Et c'est sûrement à elle qu'il répondait qu'il était seul à la maison, il demandait de venir. Et c'est là que je fais le lien. Parce qu'il a demandé à son ami de venir pour que ça fasse genre. C'est son ami qui m'a invité. Et vu qu'avant qu'elle arrive, on a eu le temps de faire vraiment connaissance. Parce qu'on était intéressé par l'univers de SNK qui passait là. Tu restais comme ça, mais tu fais quoi là, mais en fait, lève-toi, tu bouges. Je t'avais bien dit. Ah, je t'avais bien dit. Voilà. C'est pas moi, c'est ton choix. C'est tellement insensé, mais j'avais tellement peur parce que la fille, je la connaissais. Non, la fille, je la connaissais. C'était l'amie d'une amie. Elle et moi, on ne se parle plus aujourd'hui, mais bon. C'était l'amie d'une amie et je la connaissais. De l'arrivée, elle me dit que, hey, c'est pas. Dès qu'elle fait ses trucs avec son gars, elle me fait, hey, c'est pas toi qui. Je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, comment tu vas? Tu fais quoi ici? Je dis que, ah. Elle m'a pas demandé ce que je faisais ici. Ah, je sais même plus. Vu qu'on regarde les animés et tout. Elle dit dans son show que, oh, tu veux manger quoi et tout. Tu as mangé. Le gars fait aussi le bébé. Tout comme ça. Comme. Hein, papa? Tu veux manger quoi? Elle dit que non, il n'a encore rien mangé. Qu'elle voit ce qu'elle peut faire et tout. Elle dit qu'on peut aller au marché. Elle avait marché tout près de sa maison. On s'est levé là, les quatre mousquetaires. Commencer à marcher, on partait au marché. Donc moi j'étais en mode, j'étais là pour son ami. Alors que de base, non. Mais non. On part alors, on avait acheté c'est quoi là? Les pâtes alimentaires, avec tout ce qui va avec, tomates, les ingrédients là pour assaisonner tout ça et tout. On arrive alors, elle part en cuisine. Moi je viens de m'asseoir pour continuer à voir mon film. Pardon, si c'est qu'on m'a déjà trompé comme ça, on m'a déjà doublé comme une débutante bêta. Je continue à voir l'anime ici parce que c'est intéressant, moi ça m'intéresse. Elle me dit, Muriel, s'il te plaît, viens me dans la cuisine. Je dis que yi, combi. On m'a déjà trompé comme ça là. Je suis même déjà venue avec le coq que j'ai préparé chez moi avec la dame de ma mère. Je viens encore préparer mon PC. Et mais tellement j'avais peur que je me fasse prendre. Et je ne sais même pas pourquoi j'avais peur de me faire prendre. Parce que c'était pas moi qui étais en fragrant délit. C'est pas moi qui me suis invité. C'est lui qui m'avait invité. Mais j'étais tellement. J'avais tellement peur. Je me lève. On est parti faire les pâtes. On a cuisiné. J'ai cuisiné avec la fille là. On a cuisiné et tout. On est venu. On a essayé. On a mangé devant SNK tranquille. Je me suis arrêté au 13e épisode de la saison 1. Donc imaginez un peu. J'avais vu. Après donc, elle dit que. Le coq que Muriel a, parce qu'il a demandé qui a apporté le coq. Il dit que c'est Muriel qui est venu avec. Il dit que, ah, Muriel, tu es super gentil et tout, tu es ma consacrée, ma mère. Si elle savait, elle ne venait même pas. Je sais, elle ne venait même pas. Voilà. Il me dit donc qu'il va me remettre la gamelle de ma mère sans problème. Parce que lui a dit c'est pour ma mère et tout. Il dit que non, il va me remettre, il n'a pas encore mangé. Mais avec son ami, on avait bien sympathisé, mes gars. Les deux, non. Parce que ce qu'ils ont fait vraiment, non. Ce qu'ils ont fait à la fille, non, moi je n'approuvais pas ça. Donc l'heure de rentrer chez moi arrivée, elle m'a dit tu rentres, oui, ok, on va rentrer ensemble et tout. Elle me raconte comment elle sortait de son shooting. Elle était modèle photo, tellement jolie. Hein. Moi je lui dis que, ah, moi je suis là à Oujar. Oujavi. Je suis là à Oujar, elle me dit que non, elle n'habite pas très loin. Elle est un peu plus après moi. Il n'y a pas de problème à prendre un taxi. Il nous met dans le taxi. Le gars me dit bye Muriel. Il fait là, il embrasse sa go là tranquille. À tout, en tout cas. Genre dans la voiture, on fait le trajet ensemble avec sa go, on me dépose à mon lieu de destination. Je descends, je rentre à la maison. J'étais tellement choquée, scandalisée que mais tu viens même de vivre quoi là? En fait, on a. On a pris pour une tisane en fait. Bon, c'est vrai qu'on n'a rien fait, il n'y a vraiment rien eu, ni d'ambiguïté, ni d'intimité. Mais je me sentais vraiment blessée dans mon amour propre. Hein. Les choses de la honte. Et je me suis dit que je ne vais plus jamais le revoir et je me disais que il
je vais donner ma gamelle à sa goût pour qu'elle me remette, vu que on avait des connaissances en commun. Il m'écrit donc ouais, désolé pour aujourd'hui, on pourra se voir une autre fois. Voilà, je savais. Il dit qu'on voit une autre fois qui. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Pourquoi faire? Ou quand qui quoi? Par rapport à quoi? Et que? Il me dit non, c'était un imprévu. Je dis que qu'est-ce qui est un imprévu? Parle, papa, dis les termes. Qu'est-ce qui est un imprévu? Il me dit que ce qui s'est passé. Je dis que qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas là, dis-moi bien. Il me dit que non, j'avais pas prévu qu'elle serait là. J'avais pas prévu qu'Emily serait là et tout. Je dis que Emily, c'est qui? It's not your girlfriend. Il me dit que si. Il dit que tu n'avais pas prévu quoi? C'est pas, elle est censée être là, je sais pas. Ou bien vous ne causez pas. Après, je lui dis que tu sais quoi, gars, honnêtement, moi, je peux aussi être le premier choix de quelqu'un. Le deuxième choix ne m'intéresse pas, papa. Je veux et je peux aussi être le premier choix de quelqu'un. Le deuxième choix ne m'intéresse guère, mon père. Il me dit donc, ah, si tu prends ça comme ça, ok, il commence à vouloir être un peu violent, à avec ses mots, bien sûr, parce qu'on est au téléphone, et à vouloir me prendre par si c'est les sentiments lesquels. Je suis déjà parti, papa. Donc, tu m'as dit. Maintenant, donc, en semaine du bidon, je demande à Sago qu'est-ce qu'il a remis, ma gamelle et tout. Et j'avais aussi oublié mes écouteurs là-bas. Elle me dit que non, il a dit qu'il va le faire lui-même. Je lui ai écrit alors que Gabo, ma mère ne connaît pas que je suis clandestine avec ces choses. Il faut venir remettre. Il me dit qu'il ne compte pas remettre la gamelle, que si je veux prendre la gamelle et mes écouteurs, je n'ai qu'à aller là-bas chez lui, aller récupérer ça. Il lui a dit que tu sais quoi, papa? Garde le tout, je ne viens plus. Va là-bas! Il me dit que je ne veux plus prendre les coups d'œil, que je ne veux plus. On achète son machin, donc je vais remplacer. J'ai acheté une nouvelle gamelle à ma mère, elle n'a jamais mouillé dessus. Je me suis acheté une nouvelle paire d'écouteurs. Donc voilà la fin de mon histoire. Parce que, effectivement, la Saint-Valentin approche. Il y a beaucoup là qui vont se retrouver dans ce genre de situation. Tu pensais que tu étais avec quelqu'un. Bon, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment nul et ça ne peut pas être compté, mais. La génération qu'on vit ici, beaucoup de gars en cours qui s'affichent même avec leur goût ont des petits coups-circuits, des petits raccourcis là que franchement, moi je trouve assez déplorable. Si tu es avec quelqu'un, reste avec la personne. Il y a les MST dehors, il y a beaucoup de choses dehors. Et si c'est que la personne ne te comble pas complètement, tu la déposes, tu prends une personne. Parce que c'est vrai, vous avez dit que oh, ce n'est pas la même chose, mais. On choisit dans la vie, c'est le choix. Si tu as choisi A, forcément tu ne vas pas choisir A et B. Si A est nul, tu rentres à B. Donc franchement les gars, arrêtez ça. C'est la morale de l'histoire que je vous dis. Arrêtez franchement ça, gars. Nous aussi on mérite d'être les premiers choix de quelqu'un. C'est ça. Et si vous avez un premier choix, restez avec elle. Parce que moi honnêtement, c'est la chose qui me freine même vraiment à être en couple. Parce que simplement imaginer qu'il y a quelqu'un avec qui je suis, que je lui fais pleinement confiance et j'apprends qu'il fait des trucs comme ça, moi ça va gravement me blesser en fait. Et je ne suis pas pour l'hypocrisie, donc actuellement je fréquente encore l'échelle de la YouTube Money. Donc voilà la fin de mon histoire. J'espère qu'elle aidera certaines personnes ou bien que certaines personnes se reconnaîtront. Bref, si vous reconnaissez, mettez les commentaires, écrivez-moi, dites-moi. Partagez avec moi vos expériences. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne Saint-Valentin. Que Dieu vous garde. Que Cupidon vous pique encore. Je vous aime. Plein de bisous.